Famille, j'espère que vous allez bien. J'ai passé une nuit. Je vous en dis pas plus. Elle a une otite. Elle est complètement fatiguée, malade. Et voilà. On écoute un peu de bachata de bon matin. Sinon, la bonne nouvelle de ce matin, c'est que je vais pouvoir vous parler et vous faire petit à petit, vous dévoiler ma nouvelle musique avec Bengouz, puisqu'on a eu l'autorisation avec Universal et qu'on a tourné le clip et qu'il y a tout qui s'est calibré. Donc on ne devait peut-être pas forcément le sortir le vendredi 21, mais finalement ben, on le sort ce vendredi-là pour la fête de la musique. Donc je vais vous balancer tout à l'heure premier extrait du clip. Pour les connaisseurs, ça va vous parler un petit peu. J'ai repris une musique très connue de Mephisto, la famille, de Sheila. Alors, je sais pas si vous allez capter la chose, mais quand je vais la faire écouter le début, vous allez dire ah ouais, de la bombe. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure pour partager ce petit moment avec vous. Ça va s'appeler le titre, écoutez bien, C'est la fiesta. Après, c'est la night, là, c'est la fiesta. Bisous et bonne journée. Mais où elle est, Georgia? Georgia, où es-tu, mon amour? Et où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai trouvé. Cheval. Alors, à ce moment, son grand kiff à ma fille, c'est que je parte en courant, comme ça. Et ensuite, elle me suit à quatre pas. Et ouais, je voulais vous dire ça aussi, la famille, la Fafa. En ce moment, je suis moins dispo sur mon snap, puisque je suis sur un gros projet, donc du coup je bosse, vous avez vu, généralement les matins je suis dispo, je snap, et à partir de l'après-midi je snap un peu moins parce que j'ai beaucoup de rendez-vous, je fais beaucoup d'allers-retours et du coup je suis un peu moins dispo. Donc voilà, c'est pour vous dire ça, mais je vous ferai part ce projet. Arrête de mettre les choses à la bouche, faites des gosses. Dès que c'est un peu mûri, dès que je peux vous l'annoncer, je vous le dirai. Je pense que vous allez kiffer. Allez, oh, viens, viens papa, viens. Viens, on va boire le café, viens. Viens, viens, viens. Café au carnaval. Je sais pas pourquoi. Ah, je filme sans filtre, vraiment ma tête. Oh. Il me sort des jarres de boutons sur le nez qui ne partent pas comme des plaques. Dégoûté. Ça veut dire sur mon nez, je vois que ça maintenant. J'ai un problème. Alors en ce moment, ma femme, elle me calcule plus. C'est bon. Quoi? C'est grave. Hein. Allez, alors fais-moi des bisous. Fais-moi des poutous. Fais-moi des poutous. Oh là là, cet amour. Oh, allez, avec la langue. Avec la langue, avec la langue. Allez, avec la langue. Il y a Georgia qui pleut. Allez, Georgia, c'est rien. Ta mère, elle est vraiment amoureuse de ton père. Allez, c'est rien. C'est rien, c'est rien, ma... la chemise, les frères et les sœurs, parce que je suis en shooting photo avec ma femme aujourd'hui, les enfants, pour un nouveau projet pour Giuseppa, pour son projet à elle, pas le mien, et du coup ça va être sympa. Toi aujourd'hui, shooting photo, elle est trop belle cette robe, vraiment incroyable.
Et du coup, je suis trop contente. Je me suis mise sur mon 31 pour changer. Et en plus, le shooting photo, c'est un shooting en famille avec les filles et Paga. C'est du coup avec la marque My Junior. Je ne peux pas encore vous dire pourquoi. Mais sachez que c'est vraiment trop cool. C'est une trop bonne, je sais pas dire une surprise, mais c'est trop trop sympa ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc voilà. On se promène, on se régale avec papa, le phénomène. J'ai dit que je vais à mariage, je dis. Ouais, pas thème. Bon. Shooting photo, là, je cherche ma gonzasse. Je sais pas où elle est, ma gonzasse. Elle est où, ma femme? Elle est là-bas, elle est belle, elle est. Oh, quelle bomba! Regardez-moi cette star. Papa, tu es belle, hein? Ma gonzasse. Toi, la boudeuse, qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Tu veux faire de la photo à ton âge? Quoi que tu pourrais, hein, tu es belle. Hein? Je sais pas si on peut te faire faire des photos encore. Est-ce que tu mérites? Ouais, les dents, la pauvre. Allez bien, mon cœur. Et les oreilles, surtout. Can I take you to a moment where the fields are painted gold and the trees are filled with memories of the feelings never told? When the evening pulls the sun down. La famille, le téléphone, il est en train de fumer là pour le concours de boules. Faites vite parce qu'il y a je sais pas combien déjà d'équipes d'inscrits. Je vous remets le numéro de téléphone. Voilà, limité à 256 équipes. Ça va être un tournoi. Je vous explique, de haute qualité. Ça va être incroyable. Donc, inscrivez-vous, équipez-vous bien. Et je vous remets le numéro de téléphone. Bisous la fafa. Georgia est partie du sling et j'en ai récupéré une autre. En fait, je passe ma vie à marcher comme ça dans la maison. Allez, c'est bon, ça va aller. J'en peux plus. Je vais avoir le dos en compote, mais alors mon périnée, j'en parle même pas. Je voulais vous parler de quelque chose qu'on a découvert avec Paga. Alors en fait, ça s'appelle Surfshark. C'est un VPN que vous allez pouvoir avoir, que ça soit pour votre vie privée ou pour vos déplacements. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, parce que du coup, nous maintenant qu'on a des caméras pour les enfants à la maison et les caméras de la maison tout court, ainsi que les alarmes, tout ce qui est connecté via la Wi-Fi, donc la télé, nos téléphones portables, tout ça, en fait, c'est un accès qu'on a grâce à une adresse IP, et cette adresse IP en question peut se faire pirater. Donc il y a des personnes de l'extérieur qui peuvent y accéder et du coup peuvent être directement connectées à vos caméras, voir votre vie privée, accéder à vos téléphones, votre télé. Vraiment, c'est un truc que je ne savais pas et j'ai découvert ça. Je savais pas du tout qu'en fait on pouvait accéder à nos informations personnelles grâce à une adresse IP. C'est quelque chose que j'ignorais totalement. Et depuis qu'on a les caméras pour les enfants, j'ai beaucoup vu passer justement ce genre de choses sur les réseaux, qu'il y avait des personnes qui pirataient les caméras des enfants pour les regarder pendant la nuit. Genre vraiment des trucs
très très chelou. Et même accéder à notre téléphone et pouvoir aller dans notre album photo, accéder à notre vie privée, nos informations, etc. Donc c'est très très dangereux. Et vraiment, je vous conseille d'avoir un VPN pour vous sécuriser non seulement tout ce qui concerne votre maison et votre vie privée dans votre téléphone, ainsi que si vous avez besoin, par exemple en voyage, en déplacement, d'avoir un VPN pour accéder à des applications que vous ne pouvez pas avoir à l'étranger. Par exemple, sur Netflix, il y a plein de choses auxquelles vous n'avez pas accès, plein de sites sur lesquels vous ne pouvez pas aller. Et donc, comme vous l'avez compris, avec Surfshark, en fait, c'est un VPN donc, que vous allez pouvoir avoir, qui va sécuriser tout ce dont vous avez besoin. Et en plus de ça, vous permettre d'accéder à plein de sites, avoir des appels de l'étranger là où vous ne pouvez pas en avoir, par exemple WhatsApp, etc. Quand vous allez à Dubaï, vous ne pouvez pas aller sur WhatsApp, vous avez plein de trucs sur Netflix qui sont bloqués, vous n'avez pas de replay, vous ne pouvez pas avoir les replays, genre s'il y a une émission que vous avez envie de voir en replay, bah, y a plein d'endroits à l'étranger, sans VPN, vous ne pouvez pas les avoir. Je vais vous mettre le site internet de Surfshark avec mon coupon, donc mon code promo que je vais vous mettre là, c'est Giuseppa. Vous allez pouvoir avoir 4 mois supplémentaires de VPN. Donc je vais vous le mettre juste ici. Et honnêtement, c'est quelque chose que je vous conseille. Je dirais même que c'est tout le monde devrait en avoir en fait. Et notamment pour vos billets d'avion, tout ce qui est les comparateurs de vol, etc. Il y a plein d'endroits sur les sites où ils augmentent les prix par rapport à votre adresse IP. En gros, étant donné que là, votre adresse IP va tout le temps changer grâce à Surfshark et le VPN qui sécurise tout ça, le billet d'avion ne va plus augmenter parce que du coup le site internet ne pourra pas savoir que vous êtes du coup la même personne. Enfin, c'est vraiment le top, franchement je le recommande à tout le monde. Et encore une fois je le répète, à partir du moment où vous avez des caméras, un téléphone, peu importe, une wifi et que vous avez des informations personnelles à garder, vous devez avoir un VPN, c'est vraiment hyper important. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, j'étais en shooting photo avec les filles et Paga. Ensuite, Paga, il a dû partir avec Georgia parce qu'elle était vraiment pas bien. Moi, j'ai continué le shooting seule. Et là, du coup, depuis 16h, 15h30, non, depuis 15h30, je suis rentrée à la maison. Paga, du coup, lui est parti. Et donc là, je suis seule avec les filles. Georgia, je peux même pas vous dire que depuis qu'elle est née, franchement, à chaque fois, je dis ça, je crois. Mais là, c'est un truc de ouf. Genre, depuis 3 jours, elle pleure et elle râle chaque minute que Dieu fasse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 10 minutes où elle sourit, où elle est bien apaisée et tout. Genre, ça fait 3 que c'est du non-stop où elle hurle la mort. Et là, elle est au lit depuis une demi-heure. Je l'ai couchée. Je vous dis pas l'enfer pour l'endormir. Pareil, hier, ça a duré 1h30. Hier, 1h30 pour l'endormir. Là, j'ai réussi à l'endormir un peu plus rapidement. Et elle s'est déjà réveillée 3 fois en 30 minutes. Tellement elle a mal aux oreilles. En fait, je pense que l'otite, ça lui fait terriblement mal. La laryngite, en plus, elle tousse. Donc, je pense que la gorge, là, elle a hyper mal, franchement. Et je pense que tout ça est à cause des dents. Donc, je pense qu'elle a aussi mal aux dents. Mais vraiment accumulée avec la fatigue étant donné qu'elle dort pas. Oh là 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 là. La pauvre. Franchement, je vous jure, là, croyez pas que je me plains. J'ai vraiment de la peine. J'aimerais lui prendre toute sa douleur et souffrir à sa place en fait. Parce que là, il n'y a rien à faire. Elle est sous antibiotiques, mais le temps que ça passe. À tes souhaits, ma fille. Le temps que ça passe, faut attendre, faut patienter. Et elle, bah, pendant ce temps-là. Elle a encore mal et elle souffre, la pauvre. Je vous jure, j'aimerais lui prendre toute sa douleur. Elle me fait trop de peine. C'est tellement dur de les voir comme ça. Oh là 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 là. S'il y en a qui ont déjà eu ce cas-là à la maison, qui ont eu des bébés sous antibiotiques, dites-moi à partir de combien de temps, de jours d'antibiotiques, ça allait mieux. Parce que là, ça fait du coup 48 heures qu'elle est sous antibiotiques, matin et soir, avec les gouttes dans les oreilles et tout. Mais du coup, je sais pas combien de temps il faut attendre pour que ça aille mieux. Parce que là, ça va pas mieux du tout en 48 heures. Donc je pense que ça doit prendre un petit moment avant de faire réellement effet. Mais franchement, j'ai hâte que ça lui passe parce que c'est un calvaire pour elle, quoi. Et toi, tu me fais des gâtés? Moi, j'ai envie de te faire des bisous partout, moi. Tu montes tes petites mains d'amour?
tu fais des petits bisous à ta maman? Ou moins les petits pieds avec les saucettes? Mon amour. Mon Dieu, il y a trop d'amour dans cette maison. Ta sœur, elle est malade. On fait des bisous et des gâtés à ta sœur pour la réconforter parce qu'elle est trop malade. Elle fait des pleurs tout le temps. Mon amour. Bisous, Esquimaux. Bisous, Esquimaux. Bisous, Esquimaux. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais... bon, pour celles et ceux qui me suivent, savent que avec l'allaitement, je suis très très accrochée aux filles. Et du coup, j'ai énormément de mal à sortir de la maison sans bébé. Donc en fait, je fais pas de soirée avec mes copines seule sans la petite, ou des sorties en journée sans la petite et tout. Je n'en fais pas. Et du coup, là, avec Paga, j'ai bloqué ma première soirée sans bébé. Du coup, j'ai tiré du lait. J'ai du lait au congélateur depuis un petit moment. J'ai du stock. Donc, j'ai tiré du lait. Et avec Paga, on va sortir vendredi en soirée pour la fête de la musique. Alors là, si on m'avait dit ça, franchement, je vous le cache pas que je suis contente parce que ça fait du bien. Mais en même temps, je suis pas stressée. Mais genre, comme pour Georgia, en fait, j'ai du mal à lâcher le... Voilà, à laisser les enfants. Donc je suis quand même contente. Ouais, je suis quand même contente parce que ça m'a fait du bien de décompresser, de souffler sans enfant, sans grossesse, sans un gros ventre, sans un bébé, sans un enfant. Voilà, j'ai aussi besoin d'avoir ce genre de moment. Et pour notre couple aussi, ça va nous faire un bien de ouf. Donc franchement, trop hâte. Je vais boire un coup. Qu'est-ce que tu fais? 3h du matin à escalader. 3h du matin à escalader. Prends des sucettes et dors, mon cœur, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu Ça va mieux l'oreille, hein. Ça va mieux l'otite. Hein. Mais papa, il est complètement décousu là, il faut dormir. Je suis pas somnambule, je suis pas. J'ai besoin de sommeil, mon amour, moi. Il faut dormir. Allez, prends les susus, jongle avec. Débrouille-toi, fais des tours de magie et endors-toi. Fais-moi un bisou au moins. Fais les bisous, papa. Fais les bisous. Mon cœur. Allez, hein. Allez, c'est le moment. Allez, fille doudou, cool, hein, mon petit frère, fille doudou. Tu auras un gros gâteau au chocolat. Allez, dors, papa, elle est fatiguée. Tiens, s'il te plaît, dors, mon cœur. Ok. C'est pas... Non, s'il te plaît. Allez, mon cœur. Papa, peut-être le lendemain, il est fatigué. Il arrive plus rien à faire, son... Je réfléchis plus, j'ai plus envie de faire de sport, j'ai plus de motivation. Tu sais quoi? Tu sais, à papa, je te dis un truc. Tu vas pas me croire. Avant, il torturait des gens avec le sommeil. Tu dormais pas, c'était une torture, parce que c'est une torture de pas dormir, Georgia. Tu comprends? Tu peux pas me réveiller 10 fois dans la nuit, tu peux pas chanter, siffler, faire le chien et tout, c'est pas possible. Allez, dors. Allez, viens, dors, mon amour. Viens, papa, viens. Viens, papa, il t'aime. Viens, mon amour.
Wesh, mais si le chien il s'est mis aussi. Allez, oh non, mais franchement, vous... Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, mais tu veux t'échapper du lit? Allez, s'il te plaît, mon cœur. Ah, tu veux que je mette un peu de la clim? Il fait chaud. C'est ça? Ok. Intéressant. Non, mais elle n'a pas l'air de marronner, elle est bien. Il y a le chien qui nous a rejoint, c'est une fête nocturne, hein. C'est la fiesta. Ah, c'est... Ce soir, c'est la fiesta. Tra-ra-ta-ta-ta-t. Playa, bronze, tequila. Tequila, tequila. La familia, resserre-moi. Elle sert un coup à boire, Fada. Ce soir, on rentre pas. Allez, s'il vous plaît, dormez. Allez, regarde, papa. Tu me parles, regarde. Fais gaffe. Fais tout.